que vous êtes satisfait des déchets qui s'amoncellent à Casa comme dans les autres villes du Maroc. Notre collectif Colibri Maroc, c'est la société civile. C'est vous, c'est nous, on est des simples citoyens qui veulent s'engager pour un nouveau Maroc. Et le nouveau Maroc, il se crée maintenant. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés devant l'ampleur du désastre. C'est des gens qui nous ont inspirés, Pierre et tous ceux qui sont dans le film En quête de sens. Et de pouvoir aujourd'hui, 10 ans après, puisque c'était les rencontres, le début du film c'était 2009, d'avoir moi aussi pu avoir un lieu, d'avoir mis en pratique tout ce qu'ils nous ont dit, de pouvoir aujourd'hui transmettre cette expérience-là. Voilà, je suis content qu'on m'ait sollicité et heureux de pouvoir partager, donner une autre forme à tout ce qu'ils nous ont dit. Et le colibri lui répondit, je ne sais pas, mais moi, je fais ma part. Moi, je trouve ça bien de pouvoir mélanger à la fois la musique, l'artistique, avec des textes et de pouvoir donner une nouvelle forme en fait à ce nouveau récit qui est en train d'arriver. Donc. C'est une route qui se dessine là sous mes pas. J'étais finalement assez content de participer à ça. C'était une nouvelle expérience en effet avec des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas moi-même. Alors j'ai beaucoup écouté, parce que c'est vrai que moi, mon cœur de métier c'est davantage la musique, mais je ne fais pas que ça, voilà, je pense à autre chose aussi. Et alors voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, le plus juste, le plus pertinent. Je vais vous donner la parole pour un rapide tour de table pour vous permettre de vous présenter vous-même. Un grand merci, un grand bravo à l'Institut français pour cette autre édition des Rencontres Colibri. La conférence de ce matin a permis vraiment d'explorer les chemins du sens à travers des itinéraires différents, mais qui sont tous partis de la même question, c'est-à-dire qui suis-je et que dois-je faire de ma vie pour être en cohérence avec mon intuition profonde. C'est au-delà du rêve. Et je continue de rêver. On est tous en quête de sens, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait, également trouver sa mission de vie sur cette terre, pouvoir apporter quelque chose à cette, aussi bien entre nous humains, mais également sur cette terre qui nous porte et nous supporte, et que chacun joue son rôle. L'apprentissage de la première édition, c'est que maintenant, on n'est plus tout seul, on est avec plein de gens, plein de petits colibris, et ça continue. Voilà. Moi, je suis impressionnée déjà de voir qu'on a réussi là, à mobiliser de nouvelles personnes, que les anciens sont revenus. Que c'est toujours une aussi belle ambiance et puis que les initiatives aussi évoluent. Et j'ai vu des projets qui ont vraiment pris de l'ampleur cette année et ça c'est très très chouette. Ouais. Oh, I've heard all the answers, but not the question. De faire partie d'une association qui éduque et qui parle de l'écologie et qui rappelle l'urgence de la situation, c'est vraiment le minimum de ce que je peux faire. Sans l'oiseau, rien ne chante. Laisse les ailes en là. Sans l'oiseau. Les colibris, eh bien, c'est un joli nom d'oiseau. Et les oiseaux étaient là avec nous, toutes sortes d'oiseaux, étranges et magnifiques.